Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, bug hier soir sur Canal+, pour le match Chelsea-PSG, une nouvelle chroniqueuse à la table du grand journal et du rab pour la 5e saison de Top Chef. Et on commence avec ce bug hier soir sur Canal+, un bug comme on les aime, puisque toute une partie du match Chelsea-PSG a été diffusée en clair. Selon nos constatations, le signal de Canal n'était pas crypté hier soir pour les téléspectateurs qui reçoivent la chaîne sur les réseaux ADSL, sur les fameuses box. Grande surprise donc pour les téléspectateurs non abonnés à Canal, et grande joie puisqu'ils ont pu suivre toute la première période du match en clair. Canal+, que nous avons joint ce matin, confirme qu'il y a bien eu un bug technique, un problème qui allait empêcher les abonnés de suivre le match. Du coup, la chaîne a fait le choix de le diffuser en clair pour ne pénaliser personne. Et au passage, ça a permis de booster les audiences avec 3 200 000 téléspectateurs branchés sur Canal hier soir. 400 000 de plus qu'au match aller. Le grand journal de Canal+ recrute une nouvelle chroniqueuse. La journaliste Anne Niva rejoint l'équipe du grand journal, récompensée par le prix Albert Londres en 2000. Grand reporter spécialiste de la Russie, elle viendra régulièrement en plateau apporter son éclairage sur l'actualité internationale. Anne Niva, c'est également la femme de Jean-Jacques Bourdin. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. A noter que ce n'est pas le seul changement au grand journal, puisque Jeannette Bougrabe, qui avait rejoint l'équipe à la rentrée, ne fait plus partie des chroniqueurs. L'ancienne secrétaire d'État à la jeunesse se consacre actuellement à un documentaire sur François Fillon pour Canal+. M6 relance le choc des champions de Top Chef. Après la finale du 21 avril, Top Chef jouera les prolongations. Le gagnant de cette 5e saison affrontera Jean Humbert le lundi 28 avril à 20h50. Les deux candidats cuisineront en direct. Ils devront composer un menu complet avec les produits les plus consommés par les Français, à savoir la tomate, le bœuf, les pommes de terre et les pommes. Le jury sera là pour les départager et les téléspectateurs pourront également voter par SMS. Florian Philippot, le vice-président du Front National, dénonce le traitement médiatique réservé aux villes remportées par son parti. Oui, Florian Philippot y voit même un problème démocratique. Il était l'invité de Wendy Bouchard hier midi sur Europe 1. On s'en passerait bien des montagnes de caméras, de micros, de journalistes dans 11 communes de France. Et ce travail de surveillance, parfois de flicage journalistique, alors soit on le fait pour tout le monde, soit on accepte le verdict des urnes, ou alors on le fait aussi pour les mairies PS et UMP, mais je me rends compte que là on ne le fait pas du tout. Mmh. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, truquer, magouiller. Vous sentez un peu persécuté dans ces 11 communes. Non, mais on sait bien qu'il y a une loupe médiatique beaucoup plus forte. Parce qu'il y a un problème pour la caste d'accepter ce verdict des urnes, tout simplement. On n'aime pas beaucoup tout ce qui est patriotique et national au plus haut niveau de la caste, donc il faut essayer de chercher des poux. Mais le problème, c'est qu'on n'en trouve pas. La nouvelle émission de Brocante de France 3 sera bien diffusée le dimanche après-midi. Et la première aura lieu le dimanche 27 avril à 13h40. Cette émission baptisée Jour de Brocante sera présentée par Églantine Émeillé. Toutes les semaines, l'animatrice sillonnera les routes de France à la découverte des antiquités, des experts et des spécialistes. Nous apprendrons à évaluer le prix des objets et également comment bien les restaurer. Double ration de Spider-Man à la fin du mois à la télé. Oui, un nouvel épisode de Spider-Man sortira au cinéma le 30 avril et à cette occasion, M6 et TF1 ont eu la même idée de ressortir l'homme araignée de leur carton. TF1 diffusera donc Spider-Man 3 le dimanche 27. Ah, vous le dites à l'américaine, vous, Spider-Man. Ouais. Quelques jours plus tard, M6 diffusera Spider-Man 2, le 2. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais vu les films, vous verrez le 3 avant le 2. Ouais, grand classique. France 2 va proposer du théâtre en direct. Oui, ça faisait un petit moment que la chaîne n'avait pas programmé de pièces en prime time. Et bien, ce sera chose faite le mardi 29 avril. France 2 diffusera Comme s'il en pleuvait avec Pierre Arditi et Evelyne Buil en direct du théâtre Édouard VII à Paris. Et après le drame qu'elle vient de vivre, Ingrid Chauvin va reprendre les tournages. L'actrice vient de perdre sa fille âgée de 5 mois et malgré cette tragédie très récente, Télé 2 Semaines nous annonce que la comédienne va reprendre le chemin des plateaux de tournage dans 15 jours. Elle va tourner le téléfilm Rumeur Assassine pour France 3. Le tournage commencera le 22 avril à Marseille. La comédienne Rebecca Hampton devient animatrice sur Énergie 12. On l'avait déjà annoncé, l'actrice de Plus belle la vie va animer un prime sur la chaîne le mardi 29 avril. Les animaux font leur show dans un décor de jungle tropicale. Rebecca Hampton sera accompagnée d'un bébé léopard et d'un cacatoès pour nous montrer les meilleurs moments des animaux à la télé. Ça promet. Et une soirée spéciale Louis de Funès prochainement sur D8. Louis de Funès qui aura eu 100 ans cette année. À cette occasion, D8 lui consacrera un documentaire le vendredi 2 mai à base d'archives et de témoignages de personnalités. D8 avait déjà consacré une soirée de ce genre à la troupe du Splendide qui avait bien marché en dépassant le million de téléspectateurs. Ah, ça fait bizarre d'imaginer qu'il aurait eu 100 ans. C'est étonnant. 100 ans. Canal+ va produire une nouvelle
nouvelle série qui se passera à Londres. Une nouvelle création originale de Canal+, qui s'appelle Spotless, une série avec une touche d'humour noir, puisqu'elle mettra en scène un responsable d'une entreprise de nettoyage de scènes de crime. 10 épisodes de 52 minutes seront tournés à Londres cet été. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 58, c'est le nombre de pays dans lequel est adapté Incroyable Talent. Le chiffre a été dévoilé hier au MIP TV à Cannes. C'est donc le format le plus adapté dans le monde. L'émission fait même son entrée dans le Guinness Book des records. Chez nous, c'est M6 qui diffuse la France à Un Incroyable Talent. Et puis la deuxième émission la plus adaptée dans le monde, c'est Danse avec les stars. Ouais. Merci Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.